Le ciel a resté inexploré, univers inconnu aux insondables mystères. Il rêve un jour de s'élancer dans le firmament, allonger les ailes, être libre enfin, libéré de toute entrave, devenir le maître du zénith. Ainsi naissent les mythes. Icare défie la vengeance de l'immense en choisissant le ciel. Porté par des ailes de plume et de cire, il s'envole, ouvre la porte de sa liberté, il plane, joue avec le vent, invente une danse nouvelle autour de la terre, contemple la planète de ses ancêtres depuis les airs, comme un oiseau. La liberté lui gagne, l'entraîne vers ses rêves les plus fous, il s'éveille toujours, s'approche du soleil, et ses ailes fondent, le restituant à son tragique destin terrestre.
qu'il appelle Cavier. Une sorte de grosse chaise qui déploisait une envergure de 14 mètres. Elle est dotée d'un rotorateur de 20 chevaux et d'une hélice de bord. Le 9 octobre 1890, l'homme se concentre. Chauve en vêtu, de grosses lunettes, une toque d'astrakhan, de solides bottes. Et la machine, autonome, bien plus lourde que l'air, décolle. Un homme a volé. Quelques dizaines de mètres, quelques mètres du sol. Mais c'est le premier engin capable de s'élever vers le ciel. Le pari est gagné. La voûte du ciel s'entrouvre. Des bouts de métal, de la colle, du vernis, des chutes de cuir.
feu. Le firmament se fait champ de bataille. Deux jeunes garçons, très indépendants, nouveaux au courage sans faille, qui ont parfaitement compris l'enjeu majeur de la maîtrise de l'air, ainsi que la fureur qui entraîne avec elle le monde entier devenu fou. Pour nombre de ces pilotes, le ciel, dans un ultime éclair, devient leur éternelle sépulture. De ses ailes brisées en plein vol, elle ne s'est jamais sacrifiée. Il nous reste une immense admiration pour ces arts du ciel, qui ont eux aussi gagné la mortalité. Thank you.